J'ai eu quelques questions sur les chevalets. Donc c'est l'occasion pour moi de présenter aujourd'hui les chevalets que j'ai chez moi et qui me servent un peu, beaucoup, voire pas du tout. Des chevalets que pour certains j'ai dû jeter parce qu'ils étaient vraiment pas du tout pratiques et que je n'utilisais pas du tout. Et au final, en fait, je pense que ça peut éventuellement intéresser certains avant une future acquisition peut-être. Donc c'est parti. Voilà mon premier chevalet. Alors je dis premier puisque c'est mon préféré. C'est vraiment celui que j'adore parmi tous, que j'ai acquis récemment par rapport à mes besoins et j'adore. Pourquoi j'adore? Parce que tout simplement c'est un chevalet à crémaillère en fait et ça me permet grâce à une petite languette là de monter et de descendre facilement mon tableau quand je peins. En cours de peinture, et là, voilà, et d'éviter d'avoir à visser et dévisser comme on peut le trouver en fait sur des chevalets d'entrée de gamme par exemple. Donc j'adore. Et en haut, il y a la petite molette qui permet de coincer un tableau si on veut plus de stabilité comme ceci. Et ce qui m'a vraiment décidé à l'acheter celui-là, c'est ça. C'est les petites dents crantées qui me permettent plutôt de coincer une sorte de panneau. Je peins beaucoup sur des panneaux en bois et là ça m'offre beaucoup plus de stabilité. En fait, le panneau rentre à l'intérieur. Donc, et je peux surtout visser et dévisser la molette juste qui est en face de moi. Et tous les réglages en fait se font de la même façon. Donc là aussi, alors voilà. Pareil, donc là c'est pour incliner. Et de ce côté ici, enfin, il y a des molettes de partout. Donc ça, c'est vraiment un avantage, un atout. Il n'y a pas besoin de dévisser des petits papillons et de s'abîmer les doigts. Ce que j'aime bien aussi, c'est ça. Bon, tous ne sont pas équipés. Donc là, c'est une petite surface pour pouvoir déposer des pinceaux. Alors quelquefois, j'aime pas trop sortir toute la panoplie, surtout quand je fais des croquis rapides. Donc ça me permet en fait de déposer les pinceaux, un médium dessus, d'avoir ma palette au chevalet et puis de peindre assez rapidement comme ça. Donc après ma surface de travail, là derrière, j'ai mes pinceaux, et comment, couteau. Et ici, au pied du chevalet, j'ai rajouté ma palette. Donc c'est une fabrication maison, hein. C'est moi qui l'ai faite. Voilà, une palette pour peinture à l'huile que je peux ranger sans avoir à nettoyer en fait, c'est bien. Hop, voilà. Et surtout, ça m'évite d'acheter une petite table basse pour déposer en fait mes pinceaux, mes médiums et compagnie. Donc voilà, j'ai cet adaptateur pour les trépieds photo. C'est vraiment super pratique. Hop. Alors, à côté de ça, là, c'est bon, je passe vite fait, mais c'est des serpillères pour éviter de salir le sol quand je peins. Et d'autres plaques en fait qui font office de palette. En dessous, alors ça, c'est un tiroir qui ne fait pas partie du chevalet, mais que j'ai récupéré d'un chevalet dont je me suis presque débarrassée, à moitié débarrassée parce qu'il est à la cave. Et en fait, je me suis fait avoir sur Amazon. Il présentait le chevalet comme chevalet pour enfants, enfin non, chevalet pour adultes en fait. Il mettait des chaises en face et sous-entendu, bah, en fait, on peint, oui, on peut peindre avec, mais qu'à Donc je pouvais pas me lever en fait et même assise en fait j'ai une chaise qui est un tabouret comme ça là. Hop, j'ai ce genre de tabouret, voilà, qui la position en fait la plus basse était trop haute pour le chevalet que j'avais acheté sur Amazon. Donc j'avais vraiment mal à la nuque, c'était vraiment pas adapté. Donc du coup, voilà, sans regret, je m'en suis débarrassée, mais j'ai conservé le plus utile de ce chevalet, c'était ça. C'est le tiroir qui me permet de ranger pas mal de matériel, des peintures, des médiums et autre chose. Voilà, et ça, c'est ma petite adaptation. Alors ce chevalet, pour moi, c'est vraiment peinture à l'huile, éventuellement peinture à l'acrylique aussi, mais c'est vraiment les grands tableaux, les grandes œuvres en fait. Si vous avez besoin de surface pour pouvoir peindre, si vous avez besoin comment dire, de pouvoir monter, descendre le chevalet, etc. Voilà, ce sera utile. Par contre, si vous faites de l'aquarelle, ne prenez pas ça. C'est vraiment un peu trop grand pour faire de l'aquarelle. Ça vous servira pas énormément. Alors ensuite, juste à côté, j'ai mes chevalets, des chevalets de table,
des chevalets de table qui me servent de séchoir. Ils me servent de séchoir pour les peintures à l'huile que je réalise. Franchement, c'est super efficace. Rien que sur un sol, je peux mettre donc 1, 2, derrière 3 et même 4 ici en fait. Si je clipse une pince bulldog là et que je remonte ceci tout en haut, voilà, pour pouvoir coincer une toile. Donc je l'ai déjà fait, donc surtout les panneaux en bois comme j'utilise là. Après une toile, je pense qu'on pourrait le faire également. Et donc la pince bulldog comme ceci, et sans trop la mettre sur le panneau, voilà, elles peuvent tenir comme ça en équilibre. Voilà. Donc il m'en manque encore quelques-uns à faire, hein, pour pouvoir compléter mon petit chevalet de campagne, enfin mon petit chevalet plutôt de table. Et en fait, il est vraiment très pratique, c'est mon premier chevalet, c'est celui-là. Ça fait plus de 10 ans que je l'ai, celui-là. Entre temps, j'en ai acheté un qui est un peu plus récent, celui-ci. Mais vraiment très pratique. Alors au début, donc ça permet de faire toute technique, et ça permet aussi d'acheter un chevalet à moindre coût, puisque je crois que c'est environ 30 euros l'unité, et ça permet en fait de voir si on en a vraiment besoin ou pas, l'utilité ou pas. Donc j'ai mis quand même du temps avant de passer à des grands chevalets. En fait, au début j'avais celui-là, je laissais un peu prendre la poussière, et finalement je trouve super utile, ben, surtout bien sûr quand on peint des techniques opaques ou quand on a envie d'un petit confort aussi, quand on commence à peindre un peu trop longtemps, on va dire. Voilà, plus de 10 minutes, 15 minutes, 20 minutes, voilà. Donc voilà. Donc c'est vraiment super pratique. Alors l'aquarelle, particularité, alors attention, les chevalets de table tous ne se ressemblent pas. Celui-là, en fait, c'est une imitation de mon grand chevalet ici, pour la peinture à l'huile. Donc voilà, donc ça veut dire, à part la crémaillère, on ne peut pas le baisser et le monter comme on souhaite, mais avec une crémaillère, mais on doit dévisser à chaque fois, en fait, ici, les petits papillons. C'est ce qui m'insupporte maintenant, donc si vous peignez régulièrement, je pense que ça va vite vous embêter, ça, d'avoir à dévisser et à revisser, etc. Mais sinon, c'est une bonne option pour commencer. Celui-ci, c'est une forme H qui s'abaisse, en fait, pour pouvoir peindre à l'aquarelle. Si vous souhaitez peindre à l'aquarelle, surtout ne prenez pas le modèle en A, puisque celui-là, il ne s'incline pas. Donc c'est un chevalet de table, mais qui ne s'incline pas, donc attention. Donc on va passer au suivant. Alors, d'autres chevalets. Donc on va commencer par lequel? Alors, le petit chevalet. Alors ici, il va falloir que je le monte. Ça, c'est un chevalet de campagne. Donc, chevalet de campagne que j'ai utilisé auparavant, non pas dehors, mais plus à la maison, en attendant d'avoir des beaux chevalets bien robustes, bien stables. Donc, je vais l'ouvrir, la pochette. Donc ça, c'est vraiment, oui, le côté pratique, en fait. Voilà, vous regardez, par rapport à ma main, en fait, il est vraiment... La sacoche est vraiment pas très grande, elle fait peut-être 50 cm de longueur, en largeur même pas 10 cm. Donc si vous n'avez pas beaucoup d'espace, c'est vraiment ce chevalet aussi qui est pas mal, mais avec quelques contraintes cependant. Donc là, je vais d'abord monter hors caméra, puisque je ne peux pas tenir les deux, et ensuite je vais vous expliquer tout ça. Alors j'ai fini de monter mon chevalet, ça c'est un chevalet de campagne qui est en métal, voilà, non c'est pas du métal, c'est de l'aluminium, donc c'est assez léger à transporter, c'est fait pour les personnes qui souhaitent peindre en extérieur en général, et moi je ne l'ai pas utilisé en extérieur, c'était plus un chevalet un peu plus grand que mes chevalets de table. Qui me permettait de peindre en fait des tableaux. Alors je crois qu'on peut aller jusqu'en bas là, donc ça permet de peindre quand même d'assez grands tableaux, d'en bas jusqu'en haut, ça fait au moins ça fait bien 2 mètres, hein, j'imagine, mais alors ça manque énormément de stabilité, ça bouge dans tous les sens, c'est une horreur. C'est une horreur. C'est pas forcément super pratique. Alors moi j'ai pas eu de tablette en extra, j'ai dû l'acheter, donc j'ai acheté cette plaque en plus. Donc une fois que c'est posé, forcément, bon, en fait c'est un peu embêtant, il faut l'enlever à chaque fois que vous souhaitez le plier, mais pour moi c'était plus pratique pour pouvoir poser des petites choses dessus. Quand j'ai fait du pastel sec dessus, j'ai fait du fusain, j'ai pas réellement peint dessus avec des médiums humides,
Mais il faut savoir aussi que ce chevalet, alors si ça vous intéresse, il peut s'incliner, hop, avec la molette, voilà. Ah non. Ah bon, il peut s'incliner, vous allez me croire, je pense. Voilà, j'ai réussi à l'incliner un peu. Et pour faire de l'aquarelle. Mais encore une fois, franchement, c'est pas vraiment l'idéal. Hein. Autant prendre le chevalet de table qui est juste derrière là. Bien plus pratique, oh là. Plus stable. Chevalet en H, version miniaturisée de mon chevalet crémaillère juste à côté. Voilà, je recommande pas trop en fait celui-là. Là, je l'ai rangé très très au fond dans un placard. Ça peut servir de chevalet d'exposition, je pense. Mais c'est tout. C'est tout. voilà. Chevalet de campagne, j'en ai d'autres qui sont pas vraiment des chevalets. Je vais vous montrer ça. Alors l'un de mes chouchous pour la peinture en extérieur, la peinture de plein air ou bien la peinture quand je suis pas chez moi, c'est cette boîte à pochade. C'est ça. Donc c'est la version de luxe qui fait à peu près 15 cm de largeur et je dirais 10, peut-être 30 cm, 30 cm ici, une vingtaine ici à peu près. Enfin ou alors c'est 40 peut-être. Ça doit être ça 10. Non, là c'est 30, 30. Non, c'est pas un carré pourtant. Bon, je sais pas, je veux pas mesurer, je vous avouerai. Mais voilà, c'est la version de luxe qui permet en fait de faire de la peinture de plein air. Donc là, il y a un petit plateau pour y ranger les pinceaux, les médiums. Donc avec des petites encoches pour pas que ça glisse. Donc là, c'est maintenu par des aimants ici, ici. Ici, alors à l'extérieur, ce qui est bien, c'est qu'il y a un compartiment pour pouvoir y ranger oh là, les panneaux qui sont encore frais. Voilà, donc ça c'est pas quelque chose que j'utilise parce qu'en fait j'ai pas des panneaux adaptés à cette hauteur-ci et à vrai dire ma boîte à pochade j'utilise plus en intérieur. Je la prends plutôt lorsque je pars en vacances à la limite et que j'ai besoin d'un chevalet sur un lieu, dans un lieu par exemple un hôtel ou un lieu en dur on va dire, hein. Pas forcément si je suis en randonnée, là ça va pas aller, c'est un peu trop encombrant quand même. Alors je l'ouvre et ça se maintient avec les petites molettes qu'il faut juste visser, donc c'est pas des petits papillons comme tout à l'heure, donc ça c'est vraiment l'idéal. Voilà, il y en a trois ici sur les côtés. Donc là, l'avantage de ce chevalet, alors je vais juste le caler, oui, puisque sinon il va tomber. Voilà, ah. Je vais juste le caler un peu. Voilà, là j'ai calé sur les côtés, donc il faut toujours le mettre en arrière, sinon ça va tomber. L'avantage, c'est ça, c'est vraiment ce système de petits crochets qui permettent de tenir soit des cartons entoilés, soit des panneaux. Moi, c'est des panneaux que j'utilise principalement. Donc voilà, on voit que ça maintient bien. Ici, là, la petite encoche. Et ce qui est super, il y a encore des molettes derrière. Donc ça permet de lever et d'agrandir. Donc là, je peux l'agrandir. Et avec la deuxième, je peux lever le panneau comme ceci. Hop là, bien sûr, comme j'ai qu'une main de libre, je peux pas le faire, mais ça permet de mettre à hauteur de yeux en fait nos peintures. Alors là, j'ai la surface palette, donc c'est du bois. Donc ça, c'est vraiment l'inconvénient. Je sais qu'il y a des versions un peu plus chères, un peu plus onéreuses où c'est du verre. Là, c'est vraiment l'idéal, je pense, le verre pour l'entretien. Donc là, on aurait dit que c'est vierge de toute peinture, effectivement, parce que quand je l'utilise, je mets une plaque de verre par-dessus. Je n'aime pas salir le bois, en fait. C'est vraiment pas forcément évident d'entretien. J'ai pas envie d'utiliser l'essence de térébenthine pour nettoyer mes palettes. Donc du coup, voilà, je mets une petite plaque de verre que soit je vais mettre du comment ça s'appelle, de la pâte à fixe en fait pour la coller, etc. etc. Alors, ce qui est bien aussi, c'est que on peut mettre, si votre toile ou votre panneau ne dépasse pas ce cadre-ci, eh bien il peut rester dedans. Vous avez peint, hop, et vous refermez et ça ne touche pas la peinture qui est juste là. Donc ça, c'est vraiment l'idéal, quoi. Des bottes à pochade, j'adore. Ensuite, petit tiroir, on ouvre et on retrouve, voilà, et on retrouve trois compartiments. Donc là, le troisième, il est là, que j'ai pas mis. Hop, voilà. Où on peut mettre pinceaux, alors quelques pinceaux, pas trop, alors des pinceaux classiques peinture à l'huile, mais pour les grands pinceaux, bah, je suis obligée d'enlever en fait comme ça comment dire, l'un des morceaux de bois en fait, pour pouvoir allonger mes pinceaux plus correctement. Et ça, c'est juste
un système pour pouvoir tenir le, comment ça s'appelle, le rouleau de sopalin. Donc on accroche ici sur les côtés comme ça. Donc hop et hop. Donc voilà. Et c'est vraiment très pratique. Après, je ne sais pas si je pars en plein air, en fait, je mets pas de rouleau. Je prends pas le rouleau, je pense, hein. Je prends quelques sopalins avec moi, mais peut-être pas le rouleau. Super pratique. Après, alors, la boîte à pochade. Ah oui, j'ai oublié de dire ça. Hop, hein. J'ai oublié de parler. Alors, juste derrière, il y a cette petite encoche qui permet de l'adapter. Alors non, ça c'est à moi. Ça c'est quelque chose que j'ai rajouté. Mais en dessous de ça, on voit normalement, il y a un socle en métal qui permet d'adapter n'importe quel trépied photo avec un pas de vis. Qui est comment dirais-je, qui est mince, universel, voilà, au trépied photo. Donc, et pour le poser sur le trépied photo. Donc attention, puisque cette version est assez lourde, il faut que le trépied photo puisse supporter, je crois qu'il fait 3 ou 4 kilos. Donc voilà, ça va pas sur n'importe lequel des trépieds photo. Moi, je me suis fait quelques frayeurs d'ailleurs avec. C'est pour cela que j'ai un peu peur de l'utiliser quelquefois. Donc ça, c'est vraiment le petit inconvénient. Mais sinon, il peut aussi se poser sur une table, pas forcément sur le trépied. On le pose sur une table et puis voilà, c'est comme un chevalet de table en fait, un peu plus amélioré. Bon, on peut mettre tout son matos à l'intérieur. Alors, autre version de chevalet. Donc, là, vous avez la boîte à pochade achetée et là, vous avez la boîte à pochade faite main, par mes mains à moi. Donc, beaucoup plus compact. Alors, j'en avais vu, c'était, alors là, je crois que c'est la Burn, non, la Ciela Box ou quelque chose comme ça, qui vendait des palettes en fait, déjà à peu près, on va dire, comme celle-ci, mais plus compacte et avec le plateau en verre comme j'aime bien. Mais sauf que la palette, en fait, comme elle est faite aux États-Unis, ça, elle valait, je crois, à l'époque 300 €. Donc c'était vraiment trop cher pour une palette, quoi, s'abuser pour des bouts de bois et du verre. Donc du coup, je me suis confectionné ma propre palette, enfin ma propre boîte à pochade. Donc là, c'est juste un élastique. C'est optionnel, je l'avais pas à un moment donné, ça marchait très bien. Et puis je l'ouvre. Alors moi du coup sur les côtés forcément j'ai des petits papillons, je peux pas faire autrement. Voilà, j'ai des petits papillons pour maintenir. Donc là j'ai là où je peux poser mon chevet, enfin ma toile ici. Donc c'est juste un petit tendeur en fait derrière. Je peux augmenter la longueur du tendeur pour des plus grandes toiles. De toute façon, je ne peindrai pas, si c'est en extérieur, des tableaux de plus de 30 sur 20 à peu près. Donc, j'ai confectionné cette palette vraiment pratique. Donc, elle est avec un morceau de glace juste en dessous que je peux retirer facilement grâce à mes petites pinces bulldog. Voilà. Et alors j'y ai fait aussi hop, un petit plateau sur les côtés. Voilà, qui se met comme ça en fait. Et pareil où je peux mettre mes pinceaux, des médiums. J'en ai fait un deuxième, mais voilà. Déjà, je vous montre un. Alors pareil, j'ai mis des petites choses comme ça. C'est pour éviter en fait que la plaque en verre ne se soulève lorsque je transporte. Et pareil, je peux transporter ma toile juste ici, tenue grâce au tendeur. Alors là, il y a des petites chaînettes. Tout simplement, c'est une double sécurité pour éviter que le chevalet, en fait, la boîte ne tombe en arrière. Donc voilà, ça maintient, ça aide mes petits papillons sur les côtés. Et derrière, voilà, j'ai mon système de retenue avec le trépied photo. Donc c'est beaucoup plus léger. Là, n'importe quel trépied photo, alors je pense que ça doit faire peut-être 1,5 kg, 2 kg à peu près. Enfin, c'est surtout la plaque en verre qui pèse dedans. Mais super pratique. Donc voilà, pour peu cher. Je pense que comme j'ai verni en tout, j'en ai eu pour peut-être 40 € de matière première. Mais voilà. Allure. Le dernier, il est où le dernier? Il est là.
Il est là. Ah, mon dernier chevalet. Et plus ça va, et plus c'est compact, et plus c'est pratique, et plus ça se transporte facilement dans un sac. Alors là, c'est format, format livre. Format livre. Avec derrière, pareil, un adaptateur pour trépied photo. Hop. Et là, il est encore plus simple que l'autre. Alors là, vous avez vu, il y a des petites planches en bois qui ont été rajoutées. Et en fait, c'est ce qui va me permettre de bloquer le système. Voilà, quand je l'ouvre comme ça, tout simplement. En bois, c'est bloqué. Ça ne va pas plus loin. Donc, alors, ce que je fais, c'est que je l'accroche au chevalet. Et ici, ça me permet, c'est une surface palette. Donc ça, j'utilisais surtout quand je peignais à la gouache en extérieur. Ça permet de coller une palette en métal ici, puisque j'ai mis une bande, c'est une bande aimantée ici. Donc ça permet de retenir toute surface en fait, soit en métal, soit aimantée. Et ici, donc, je mettais mon support à peindre, qui était souvent mon carnet de croquis, vous avez vu, de format A5 à peu près, donc format A5 paysage. Et je le calais avec des pinces, des petites pinces à dessin, voilà. Et ça fait super l'affaire. Donc c'est super pratique. Voilà, voilà. Je pense qu'on a fait le tour de mes chevalets.